Et je pars 2 jours pour Malte, pas en vacances parce que sinon je serai avec Marina. Et j'ai hâte de vous montrer pourquoi. À Malte, je sais pas pour vous, mais vous n'êtes pas dit un jour ce serait pas trop cool d'avoir vos noms. Genre, il y a un chauffeur qui vient vous chercher juste pour le kiff. Un jour, j'aimerais bien que ça arrive. Je suis en train de chercher mon nom alors que personne m'attend. Super vol. Si ce n'est que j'ai rien téléchargé à regarder, du coup, je me suis un peu ennuyé, mais j'ai fait des choses. J'ai fait des choses très intéressantes. Allez, je vous dis en avant-première ce que j'ai en tête. Je suis en train de préparer une évaluation. C'est-à-dire que l'idée, c'est que vous ayez un questionnaire, vous répondez aux questions et après, on a un rendez-vous et je vous fais avancer sur là où vous avez besoin d'avancer. Et voilà, bah ça sortira pas tout de suite parce que c'est beaucoup de travail. Et je vous tiendrai au courant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai un coaching en groupe à 14h. Après, j'ai mon mastermind et pendant le mastermind, je prendrai le bus pour aller en ville. Et après, bah, je vais aller chez la personne chez qui je dois aller pour travailler. Allez, ciao, ciao. Allô, alors je viens de terminer ma session de coaching. C'était génial, c'était avec les VIP du sommet virtuel Solopreneur. Donc, je finis mon repas rapidement parce que j'ai pas eu le temps. Et je prends le bus. Et je vais assister à ma réunion de mastermind dans le bus parce que c'est en ligne. Je vous souhaite. Je vous souhaite rien du tout. On se retrouve tout de suite. À tout de suite. Je dois prendre le bus. Sauf que ça coûte 1,50€. Je ne suis pas 1,50€. Je paye tout par carte bleue. Donc on va retirer de l'argent avec ma carte Revolut. Alors je vais cacher le numéro. Vous connaissez Revolut? C'est zéro frais à l'étranger. En tout cas, en théorie, franchement, je ne sais pas vraiment comment ça marche. Allez. J'ai vraiment eu peur à un moment qu'ils me donnent vraiment 100 000 € et que je doive rendre l'argent après. Je suis à Malte et en fait c'est hyper bizarre parce que il y a du vent parce qu'en fait c'est une ambiance de vacances mais je suis là pour travailler, du coup mon cerveau il comprend pas trop mon problème de riche, donc c'est quand même sympa de pouvoir travailler tout en voyageant dans ces circonstances. Après je le ferai pas tout le temps parce que les vacances sans sa femme quand t'es marié c'est pas fun. Mais de temps en temps, c'est juste trop bien. Surtout que j'ai hâte d'aller travailler avec mon client parce qu'il est génial. Allez, ciao! Hello les amis, je viens de courir presque une heure avec mon client qui est un ancien sportif. Comme ça vous aide à deviner qui c'est. Et là, je suis allé me prendre un petit déj, vous ne devinerez pas ce que j'ai là. C'est une tourte à quelle viande? Au lapin. Du coup, bah, je vous dis à quoi ça ressemble. C'est bon, mais c'est la sauce qui est bonne. Bon bref, j'espère que vous regardez pas ça le matin. Alors, ce matin, donc, je travaille pour mon client que je vais vous présenter finalement après. Et bah, tous les jours à 11h on fait une réunion. Et donc là je suis avec Mamadou. Coucou Mamadou.
Il y avait tout à l'heure les autres membres, mais ils sont partis entre temps. Du coup, je me suis dit, voilà. Et c'est juste formidable de pouvoir être à Malte, vivre en France, travailler avec quelqu'un qui est au Mali. Donc voilà, merci Internet. Allez, je termine la réunion avec Mamadou et puis on se retrouve plus tard. Et allez voir le vlog de Mamadou. T'as publié un vlog récemment ? Ok, ah, il va préparer un vlog. Ok. Alors, moi je vais peut-être oublier, mais tu me rappelleras Mamadou, on mettra un lien vers le vlog de Mamadou, allez le voir. Moi j'en rate pas un. Allez, ciao ciao. Hello les amis, alors avec mon client, on a lancé le podcast. Du coup, bah, vu qu'il me tag un peu sur les stories Instagram, je pense que je peux vous dire qui c'est. Et je vous laisse découvrir, non seulement vous allez découvrir qui c'est, mais vous allez découvrir une annonce que je vais publier en vidéo. Et comme ça, vous avez l'info en même temps. Hello, je suis avec Julien Musy qui sera à la rencontre numéro 5 à Paris le 20 juin. Julien, pourquoi les gens doivent venir le 20 juin? Parce que je viens de te demander là, c'était quoi le prix 149 euros aujourd'hui, c'est quand je fais une journée, quoi, c'est beaucoup plus cher. Donc déjà, c'est une opportunité unique que tu leur donnes. Ouais. Et je trouve ça vraiment ouf cette possibilité que tu leur donnes, parce que tu m'as dit de, tu vas me questionner, vous allez tous me questionner, et de pouvoir prendre ce qu'il y a dans mon cerveau, je trouve en ça plus, cool. En plus, on sera en petit groupe, 50 personnes maximum. Ouais. Donc, moi, j'adore qu'on me questionne et c'est vraiment là où tu peux extraire le maximum. Aujourd'hui, on a créé un business qui, en l'espace de 24 mois, il est passé de 0 à plus de 3 millions. Cette année, on va générer plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et je sais qu'une discussion, une conversation peut changer une vie. Et encore plus quand c'est les personnes qui vont avoir leurs problématiques qui vont pouvoir répondre aux questions. Je pense que c'est une opportunité unique. Et je sais que j'ai eu des coachs à qui j'ai posé une question et ça m'a fait gagner des dizaines et des dizaines de milliers d'euros. Et mon but, ça va être d'être cette personne pour les gens qui seront là. Si aujourd'hui vous avez un écart entre là où vous êtes et là où vous voulez être, bah mon but, si je viens, c'est, je suis pas payé pour venir d'ailleurs, on a dit que l'argent que tu voulais me payer, on reverserait à une association. Yes. Donc c'est juste pour servir, pour contribuer et faire une différence dans votre vie et dans votre business et pour vous permettre d'obtenir les résultats qu'on a eu aussi rapidement qu'on les a eu pour vous. Génial, merci Julien. Julien, moi j'ai payé 299 euros pour te voir un petit déj. 297, ouais. Donc c'est pas 300 en tout cas, c'est moins que 300. Donc profitez de cette opportunité. Si je l'invite, c'est pas pour rien, c'est vraiment parce qu'il va apporter énormément. Il sera présent aussi durant la pause pour discuter avec vous. Donc venez, inscrivez-vous en dessous. Merci Julien. Hello les amis, il est 4h30, sympa d'entendre ma mère. Je prends l'avion pour entrer. J'ai passé deux jours superbes, c'était intense, on a travaillé sur le podcast de Julien et un autre projet qui arrive aussi. Donc ça, je vous laisse découvrir de toute façon chez lui. Une chose que j'aime beaucoup faire, que j'ai toujours aimé faire, c'est d'analyser les gens, de comprendre leur comportement et tout. Et bah, forcément, c'était un spécimen énorme à analyser Julien. Vraiment, vraiment brillant, très haut niveau de réflexion. Et c'était vraiment fun, tout simplement. On a passé un bon moment. Même si j'ai des courbatures parce que il m'a fait courir trois quarts d'heure ici et il y avait des. Y avait... C'était assez intense, on va dire. Pour moi, en tout cas. Donc là, je prends l'avion, je rentre à Paris. Et je vais bien me reposer dans l'avion parce que vous pouvez imaginer que quand on se réveille à 4h du matin, on n'a pas beaucoup dormi. Vraiment vraiment chouette et bah, hâte de vous faire découvrir d'autres voyages de ce type. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous l'avez vu, hein, Julien sera à la rencontre solopreneur le 20 juin. Prenez absolument votre billet, les places sont limitées. Donc bah, n'hésitez pas, inscrivez-vous et je vous dis à très bientôt. Il y a mon bot qui arrive, c'est l'équivalent d'Uber. Allez, ciao.